tout pays rêve d'avoir des zones humides. Et nous, nous en avons. Donc, on conserve encore la zone humide des Trois Marigots, la zone humide du Djoudj. Et la zone humide, c'est un grenier à mille. Il y a les oiseaux, le pâturage, l'élevage, la pêche, l'agriculture. Tout le monde rêve d'une zone humide. C'est pour ça qu'il faut les conserver et en prendre soin. Cette année, comme les autres années, le 15 janvier, nous avons procédé au dénormement des oiseaux d'eau sur l'ensemble du delta et en particulier dans le parc du Djoudj. Les données sont importantes parce que les scientifiques du monde entier, ils ont besoin de savoir ce qui se passe. Parce qu'il y a certains oiseaux ici qui n'appartiennent pas au Sénégal, ils appartiennent à l'humanité. Ce sont les oiseaux migrateurs. Le projet Ressous travaille avec l'IREF à travers l'outil CoboCollect. C'est un outil qui nous permet, une fois bien maîtrisé, de digitaliser la collecte de données des prélèvements. La collecte de données par les hommes d'intérêt est importante parce que ça permet de savoir exactement ce qui est tué par rapport au stock. La première menace qui pèse sur les Trois Marigots, c'est d'abord l'envahissement des plantes aquatiques. Mais également, c'est indiscutablement aujourd'hui la présence des agro-industries. Malheureusement, avec le barrage et avec de l'eau tout le temps dans les mares, ça fait des plantes envahissantes. J'ai été coopté dans le cadre du projet Ressources pour déployer ce dispositif, l'approche GAOS, gestion orientée de systèmes de suivi, qui permet d'impliquer les communautés dans la gestion des ressources communautaires afin d'augmenter les revenus qui sont générés. Les spécialistes dans l'exploitation du nénuphar qui avait des valeurs extraordinaires mais qui commençait à être oublié par les populations parce que n'ayant pas accès à la ressource. Dans le projet Ressources, l'objectif est de rendre ces terres accessibles à travers ce qu'on appelle les rizières abandonnées qui peuvent être réaménagées et affecté aux femmes pour faire pousser le nénuphar. Je suis allé à la maison. 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 Je suis
Ce qui est extraordinaire, c'est que les femmes, elles ont dit que la production qu'ils ont eue cette année est inégalée. Ressources cherche à appuyer les populations pour recréer cet environnement où la ressource va être multipliée, aussi bien pour les humains, mais également pour les oiseaux migrateurs.